accompagnement. On a bien sûr le sujet, c'est les politiques migratoires, le défi des droits des migrants. Et on a une heure et demie et on a cinq intervenants. Bon, je ne vais pas citer maintenant les noms de ces les intervenants. Je vais citer un par un. Et on a deux rapporteurs avec nous. C'est Madame Vanessa Conduin et Monsieur Idriss El Khorchi. Aussi, je vais dire que on va parler dans ce panel de la migration. Et la migration, c'est un domaine qui devient de plus en plus vaste, aussi bien dans le profondeur du pays que dans tout le monde. Et pour nous, on va arriver à un objectif dans notre panel. Notre objectif est de... Tout le monde connaît la situation des migrants. Elle est de pire en pire. Et nos intervenants vont nous parler de cette situation. Mais notre objectif final dans notre panel est de voir quels sont les moyens et les directives que on doit signaler dans notre panel, à la fin de notre panel, pour faire face à cette situation des migrants, de nos camarades migrants et de nos camarades migrantes aussi, et pour dépasser du moins ces situations qui sont vulnérables. Bon, on va commencer par notre premier intervenant. C'est notre camarade Sarah Cristiani. Elle est de Migros Europe. Elle va nous parler de le pacte européen et comment il conçoit la question de la migration. À vous la parole, Madame Sarah. Mais bon, je veux dire que puisqu'on est cinq maintenant intervenants, on va donner à chacun 7 minutes. Puis ouvrir après la discussion à nos camarades qui sont avec nous, qui assistent ces interventions. Puis on peut faire notre conclusion avec qu'est-ce qu'on va faire. Bon, camarade Sarah, à vous la parole. Naïma, Sarah n'est pas encore connectée. Est-ce que tu peux passer à quelqu'un d'autre la parole? On a Monsieur Fouad Hassan. Il est là? Oui, il est là. Bon, alors on passe la parole à notre camarade Fouad Hassan qui est de la comité de suivi du FSM Maghreb. À vous la parole, camarade Fouad. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Naïma. Merci. Je commence. Bonjour. Dans le monde, l'OIM a fait état de 30 000 décès et disparitions durant la période 2014-2018 dans le bassin de la Méditerranée. 60% de ces drames se sont produits dans le bassin. Des 30 000, c'est dans le monde entier. Dans les eaux de la Méditerranée, entre 2014 et 2020, la même organisation a enregistré 20 000 migrants qui ont perdu la vie. Et pour être plus précis, juste l'année dernière, 2020, sur les 12 mois, plus de 1000 migrants ont disparu dans la mer de la Méditerranée. 83% de ces victimes ont pris le départ, ont pris le large des côtes du Maghreb. Et aussi, selon une étude du PNUD, le programme des Nations Unies, les deux tiers des migrants qui arrivent en Europe viennent et ils sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Ensemble, le Grand Maghreb, par sa position géographique, subit malgré lui
les conséquences d'une politique, d'une réalité migratoire qui effraie d'un côté l'Europe, mais aussi qui endeuille et silencieusement l'Afrique de notre côté. Ma présente intervention a pour objet de présenter les politiques les plus visibles en matière de migration qui se déroulent dans la région du Maghreb et dans les pays du Maghreb. Un Maghreb qui fait l'interface entre une Europe au nord et une Afrique subsaharienne au sud. Mais avant, je vais donner juste deux ou trois chiffres importants. Le Maghreb est une région qui est située au nord de l'Afrique. Il est composé de 5 pays. La Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. L'étendue de cette région est de 6 millions de kilomètres carrés et sa population est de 100 millions. Si je fais une petite comparaison, le Maghreb est aussi grand que l'Afrique de l'Ouest avec ses 25 pays et ses 300 millions d'habitants et il est une fois et demie plus grand que l'Union européenne avec ses 450 millions d'habitants. Quelle est la place du Maghreb dans la politique migratoire européenne? Par sa position géographique, le Maghreb est à la fois une menace et un secours pour l'Union européenne dans la gestion migratoire. On le sait très bien, nous sommes au 21e siècle. La mer de la Méditerranée ne constitue plus un rempart pour le sud de l'Europe. Et l'Union européenne est consciente de cette réalité temporaire et aussi elle est consciente que le littoral maghrébin peut d'un jour à l'autre se transformer en un quai d'embarquement de 8200 km de longueur. N'oublions pas que le Maghreb se situe à 14 km de l'Europe au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, il est d'un intérêt cardinal pour l'Union européenne et ses États membres, notamment les États qui se trouvent au sud, de concevoir le Maghreb comme un second rempart pour sécuriser leurs frontières. Et par ailleurs, la mise en place d'un processus d'externalisation des frontières européennes qui a débuté il y a 20 ans et rentre dans cette logique de transformer le Maghreb comme étant sa ligne défensive contre la menace migrante. Ce n'est pas par hasard aussi, il y a 20 ans aussi, au début des années 2000, que les pays du Maghreb ont commencé à promulguer des lois, chacun de son côté, des lois sur la migration. Nous avons l'Algérie qui a commencé en 2008, le Maroc en 2003 et bien sûr la Tunisie en 2004. Dans la réalité, le Maghreb n'est pas homogène. On peut distinguer deux groupes. On a le premier groupe, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, qui ont une réalité qui se rejoint. En premier, ce sont trois pays de départ, d'émigration depuis longtemps. Et il y a 20 ans, ils sont devenus des pays de transit. Et il y a 10 ans, ils sont devenus des pays de destination. Le deuxième point que partagent ces trois pays, c'est que les trois pays mènent des opérations très violentes dans l'expulsion et le refoulement des migrants subsahariens. Le deuxième groupe, la Mauritanie et la Libye, ils se ressemblent et ils sont presque le contraire du premier groupe. Tous les deux sont des pays à un taux faible d'émigration, ce n'est pas des pays de départ, juste peut-être la Mauritanie qui a une migration très légère mais circulaire, elle n'est pas d'installation. Et le deuxième point où ils sont communs, c'est que ces deux pays sont ouverts à la migration de travail pour les subsahariens, mais avec un déficit flagrant dans le respect des droits fondamentaux pour les migrants. Autrement dit, les pays du Maghreb qui ont mis en place une organisation économique et politique qui s'appelle l'UMA ne se sont jamais concertés pour mener une politique commune ou bien plus ou moins homogène d'un pays à un autre pour cette crise migratoire et qui les frappe en premier lieu, avant l'Europe. Chaque pays opère et fixe sa politique à sa convenance, même si elle est à l'antipode du pays voisin.
Qu'est-ce qui se passe au Maghreb? Je vais d'abord parler de l'aspect juridique, les conventions, les textes internationaux ratifiés par les pays du Maghreb. Nous avons trois textes. Le premier, c'est le pacte international sur les droits politiques, sociaux et culturels. Le pacte est ratifié par les cinq pays du Maghreb. Le deuxième texte, c'est la Convention internationale pour la protection des migrants. Celle-ci, elle est ratifiée par tous les pays du Maghreb, sauf la Tunisie. Et le troisième texte, il est régional et il est important parce qu'il est contraignant. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière n'est pas ratifiée par le Maroc. Concernant les lois internes, les lois des pays, comme je l'ai dit, c'est au début des années 2000, le Maroc il a commencé par publier sa loi, la 0203, concernant l'immigration et l'entrée des étrangers. Ça a été suivi par la Tunisie en 2004 et l'Algérie, 4 ans après, en 2008, elle a mis en place sa loi, la 0811, qui au fond, elle est faite pour cadrer plus le refoulement et la reconduite aux frontières. Les trois pays, on constate qu'ils ne font pas de cadeaux aux étrangers en situation irrégulière. Cependant, durant les 10 dernières années, on peut reconnaître mal ou bien certaines vérités. Le pays du Maroc a brillé par sa mise en place de nouvelles approches humanitaires à l'égard des migrants. Et ils ont... Ils ont mené à la fait légiférer deux lois très importantes. La première dans le monde arabe, il s'agit de la loi. En Algérie, par contre, ce pays s'est fait universellement distingué par ses opérations récurrentes de chasse à l'homme noir, notamment entre la période 2018 et 2020. Pour la Mauritanie, c'est un peu différent. Le pays, il est ouvert aux migrants subsahariens, même s'il adopte moins que les autres pays une approche sécuritaire, totalement sécuritaire. Le revers de la Mauritanie, c'est qu'elle est épinglée à chaque fois par le comité des travailleurs migrants en ce qui concerne le travail forcé des enfants, la prostitution des femmes et l'exploitation des travailleurs migrants. Il ne faut pas perdre à l'idée qu'il y a 15 ans, la migration subsaharienne dans les États du Maghreb est devenue au centre de toutes les politiques sécuritaires, juste après le terrorisme. Analysons maintenant qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la liberté de circulation pour que les gens entrent dans le Maghreb de façon plus irrégulière. On commence par les Maghrébins. Les Maghrébins, ils ont libre accès. Et ils sont libres d'entrer dans tous les pays du Maghreb, sauf pour la Mauritanie et le Maroc. Les facilitations d'entrée pour les subsahariens dans la région du Maghreb, ça diffère d'un pays à un autre. En haut du podium, nous avons la Mauritanie, qui exempte 5 pays de l'Afrique de visa, mais le reste de l'Afrique peut entrer avec un visa au niveau des frontières. En deuxième position, nous avons la Tunisie, qui exempte 16 pays africains, et les trois restants doivent demander des visas consulaires. Troisième position, nous avons le Maroc, avec 7 pays qui sont exemptés. Mais ici, on peut comprendre que le Maroc, c'est la porte de l'Europe, par excellence. Et pour y arriver, il faut passer par l'Algérie pour les migrants en situation irrégulière. Disons pour les autres migrants qui ne peuvent pas obtenir de visa consulaire. En quatrième position et en dernière, c'est l'Algérie. Elle exempte 2 pays uniquement et elle a fermé carrément sa frontière de l'Ouest avec le Maroc et sa frontière Sud avec les 2 pays, le Niger et le Mali. On peut dire que l'Algérie est le pays le plus fermé dans la région maghrébine. Je ne veux pas parler de la Libye puisqu'elle est en crise, mais sachez qu'avant la crise, il y avait 2,5 millions de ressortissants subsahariens et ici, il n'y a pas photo avec les autres pays du Maghreb. Donc, en conclusion, on peut dire que le Maghreb lui-même est un espace plus ou moins ouvert aux ressortissants subsahariens. Et c'est pour ça que nous avons un flux migratoire irrégulier. Merci, camarade.
Foued. Oui. Merci, notre camarade Foued. Merci. Je pense que on est arrivé à temps et vous avez parlé de tous les pays du Maghreb. Malheureusement, c'est la situation. Il a parlé de la situation des migrants dans nos pays du Maghreb. Hier, il a parlé aussi des lois. Alors, merci bien à notre camarade Foued. Ok. Naïma, il y a un problème de communication. Notre camarade Mohamed El Wafi, du réseau. Quoi? Il y a un problème de micro, Andek. Tu peux faire attention au micro. J'espère le micro. Ok, on ne t'entendait pas bien. Ok, c'est bon maintenant. Parle plus près du micro. Oui. Bon, j'ai dit si on peut donner la parole à notre camarade Sarah si elle est venue. Sinon, on passe à notre camarade Mohamed El Wafi. Sarah est là, donc on peut lui donner la parole. Ok, Sarah, c'est à toi la parole. Merci, merci beaucoup Naïma. Alors moi, je vais faire donner un peu un cadre de quelles sont les politiques européennes en cours, en discussion aujourd'hui, quel est leur impact très négatif et quel peut être encore plus négatif à niveau du terrain pour ce qui concerne les pays du Maghreb. Il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, les institutions européennes, ils sont en discussion des deux des grands instruments qui vont donner la ligne politique pour les prochaines années. D'un côté, il y a les pactes européens sur la migration et sur l'asile. Et de l'autre côté, il vient d'être approuvé et il continue à être en discussion les budgets 2021-2027 pour l'Union européenne. Si on regarde les contenus du pacte et les discussions autour du MFF, donc du budget 2021-2027, ce qui émerge clairement, c'est que la politique d'externalisation est devenue aujourd'hui encore plus les piliers de la politique européenne de gestion de la frontière. Donc encore plus, on va demander aux pays maghrébins de bloquer les départs et de surtout accepter leurs citoyens et ceux qui ont transité par leur territoire des retours. Et je vais commencer par ces points-là. La politique du retour est devenue ce que nous on appelle une vraie obsession à niveau des États membres et à niveau de l'Union européenne, que ce soit à niveau des textes. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans les pactes, on envisage comme une des multiples formes de solidarité qu'un État membre peut apporter à un autre État membre qui s'est dit sous pression migratoire, ce qu'on appelle les sponsorship retour. Donc, un État membre peut aider un autre État membre pour faciliter les expulsions. Imaginons, l'Espagne se déclare sous pression migratoire, l'Hongrie va tout faire pour aider l'Espagne à expulser les migrants qui sont présents sous leur territoire. Et ça, il est présenté dans les pactes comme une forme de solidarité. Donc, nous sommes complètement dans une vision du monde qui est absolument contraire à ce que nous, société civile, on considère la solidarité, qui est plutôt reliée au concept d'accueil et d'intégration. Mais aussi dans la pratique, ce qu'on a vu en 2020, c'est cette tendance à signer des accords qui sont absolument opaques, pas transparents et qui concrètement sont des quotas d'expulsés par semaine. En août 2020, on a vu une augmentation assez importante du nombre des Tunisiens qui sont partis de la Tunisie vers l'Italie. Mais aussi dans l'Italie. La pratique, c'est pressé d'obliger la Tunisie, qui a bien accepté, à redoubler les nombres des Tunisiens expulsés par semaine. Qu'est-ce qui se passe? Que l'Italie, pour remplir ses nombres de quotas, il ne prend pas du tout en considération les situations personnelles des migrants qui vont être expulsés. On ne prend jamais en considération quand il s'agit des Tunisiens, puisqu'ils sont dans la liste des pays sur la demande d'asile. Donc, il y a une forme de discrimination totale et l'objectif, c'est que c'est lui de remplir les quotas des retours et pas vraiment prendre en considération l'état individuel de chaque personne et leurs droits, bien sûr. Et la même chose a fait le Maroc.
comme vous le savez, on a enregistré une augmentation assez importante, des 10 fois plus par rapport à 2019, des arrivées vers les îles Canaries. Notamment, en novembre 2020, ces arrivées partaient des côtes de Dakhla. Que ce soit le gouvernement espagnol, que ce soit les autorités européennes par la commissaire Johansson, se sont rendus au Maroc, ils ont négocié l'augmentation des vols de retour. On sait aujourd'hui qu'il y a des vols qui partent des Canaries vers la Youn et qui, on parle des quotas de 80 personnes par semaine qui peuvent être expulsées. Donc, la logique d'un côté d'accord et tout ça sans qu'il y ait un texte de l'accord précis. Ces accords ne sont pas ratifiés ni des parlements maghrébins ni des parlements européens, tout à l'opacité et tout ça dans l'obsession de remplir des quotas des personnes qui vont être expulsées dans leur pays d'origine. Et bien sûr, si c'est le cas de la Mauritanie, ce n'est pas que les ressortissants de la Mauritanie qui vont être expulsés directement des Canaries. La Mauritanie accepte tout citoyen des pays tiers qui aille transiter ou qui soit présumément partie des côtes de la Mauritanie. Ça, c'est l'accord qui a été signé. Donc, je pense qu'il est très important qu'on vise la dénonciation des politiques de retour comme violation systématique des droits fondamentaux. L'autre élément qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup, si on regarde les textes, c'est la question de la détention. Dans les pactes, on parle, par exemple, de renforcer ce qu'aujourd'hui, c'est les systèmes d'hotspot. Mais dans la pratique, cela s'est produit déjà. On a fait une mission en décembre aux Canaries, c'est qu'on a vu, c'est un campement militaire où les migrants doivent être enfermés pendant 72 heures le temps de l'identification. Il reste beaucoup plus que les 72 heures. Il s'agit d'une détention complètement illégal, hors du cadre de la loi, parce que, bien sûr, n'est pas validé par aucune juge. Et l'idée toujours présente dans les pactes, c'est qu'une fois qu'on a fait une identification dans ces lieux, que c'est des lieux comme des zones d'attente aéroportuaires, mais sous les territoires européens, ensuite, sous la base du taux de reconnaissance des statuts de réfugiés, on transfère la plupart des migrants dans une procédure accélérée d'asile. La procédure d'accélérée d'asile va durer 12 semaines et tous les éléments indiquent qu'il va être fait dans des lieux d'enfermement. On a fait une simulation. Si on implémentait aujourd'hui, si on appliquait les pactes dans un pays des premières frontières comme l'Italie, l'Italie sera obligée d'augmenter 7 fois le nombre de places de détention sur son territoire, juste pour appliquer la loi européenne. Et si, dans les cas qui est prévu aussi dans les pactes dites des crises migratoires, où les règles sont un peu différentes, l'Italie sera obligée d'augmenter de 50 fois les places de détention sur son territoire. Donc ça, c'est la tendance qu'on voit arriver. L'autre tendance qu'on voit, que ce soit dans les pactes, que ce soit dans les MFF, je termine là, mais après on pourra discuter parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir, mais ça c'est un élément qui est vraiment très important et très inquiétante. C'est la logique de la conditionnalité. On l'a vu déjà dans la création du budget du fameux Fonds fiduciaire pour l'Afrique, ce budget qui était créé en 2015 à La Valette de plus que 4 milliards d'euros, avec lesquels, par exemple, le Maroc a renforcé les contrôles des Ceuta et Melilla, a renforcé les contrôles maritimes, avec lesquels l'Union européenne paye des projets de formation de la CEDISON garde-côte libyen pour produire des refoulements par procuration. Donc, cette logique du fonds fiduciaire, on la voit reproduite dans les budgets 2021-2027. Il y a un nouveau instrument financier, il s'appelle NDCI. Ces budgets, ils devraient couvrir les politiques de développement. Et la négociation aujourd'hui a mené que les 10% d'une enveloppe des milliards d'euros qui devraient être destinés au développement des pays tiers, il va être dédié à la politique d'externalisation du contrôle des frontières dans une logique des conditionnalités pures. Migration, développement. Donc, soit les États tiers collaborent dans les blocages des migrants et dans les retours, soit ils vont se voir réduire leur budget au développement. Et on voit en tout cas dévier les fonds de développement pour des projets de gestion des frontières. L'autre logique, qui est encore plus inquiétante, est produite dans les pactes.
parce qu'on parle même du changement du règlement visa, du code visa, parce que les États membres, ils vont faire une liste à la Commission européenne en disant quels sont les États tiers qui ont une bonne performance dans les retours, ceux qui n'acceptent plus leurs citoyens et ceux qui transitent par leur territoire. Sous la base de cette évaluation, la Commission européenne peut couper toute visa aux pays qui ne collaborent pas dans les retours. Donc, si dans les pactes, il y a une conditionnalité migration, retour, code visa, dans les budgets, il y a développement, migration. Mais tout, c'est en logique du chantage réciproque et surtout vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et c'est là, donc, ça nous amène à une réflexion importante. Déjà, il y a très peu de voies légales d'accès au territoire, ce qui oblige les migrants à risquer leur vie en mer. Mais encore plus, on va avoir moins d'accès au territoire parce que cet accès va être réduit en fonction de la politique des retours. Donc, ce qui va se produire, c'est un risque très inquiétant d'augmentation des morts à nos frontières. Il faut se les rappeler et nous tenons à les rappeler que dans la route des Canaries, on a eu une augmentation du plus 143% des morts dans celle qui est sûrement une des routes la plus tragique. Encore, il y a quelques jours, un jeune mineur est mort dans cette traversée. En Méditerranée centrale, un migrant sur deux qui part des côtes libyens est renvoyé à l'enfer libyen. Les Tunisiens, on renforce le système de contrôle pour qu'on empêche la population de partir. Et les Algériens, il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, on a eu une augmentation très, très importante des départs de l'Algérie vers l'Espagne, comme aussi conséquence de la fermeture de la route d'Algérie vers la Sardaigne. Et là, Merci, Camarade Sarah nous a parlé de la migration, surtout africaine, des Africains et l'Europe. Et maintenant, on va donner la parole à notre camarade Mohamed El Wafi du RFMMS, c'est un réseau de la migration subsaharienne et européenne. Mohamed, à toi la parole. Merci, camarade Naïma. Je voudrais savoir tout d'abord, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Très bien. Très bien, merci. Alors, donc merci, camarade Naïma. Merci aux camarades qui m'ont précédé, qui ont dressé un tableau malheureusement logique, réel et noir comme il est. Et voilà, c'est dans ce contexte qu'est né le réseau RSMMS. Le réseau RSMMS, c'est le réseau, comme a dit le camarade Naïma, le réseau syndical de la migration méditerranéenne et subsaharienne. Il est né sur 3-4 ans, donc entre 2009 et 2012, donc pour faire surgir l'idée. Donc, première rencontre entre les syndicats de la rive sud, enfin de la rive nord de la Méditerranée et de la rive sud de la Méditerranée. C'était à Tunis, c'était à Hammamet, c'était dans d'autres villes, jusqu'à l'élaboration de l'idée l'éclaircissement de la stratégie en 2014 lors de la déclaration de Casablanca. Donc, le réseau RSMMS est composé d'organisations syndicales méditerranéennes, donc le Maghreb et les syndicats. Tout d'abord, c'était les syndicats italiens, espagnols, en particulier la CGL, le Comisiones Obreras. Au début aussi, la UIL, la CHIS, les syndicats français, CFDT, CGT, etc. Et puis aussi, de la part du Maghreb, donc l'Union marocaine de travail et le GTT principalement, mais aussi la CGTM de Mauritanie et nombre d'organisations syndicales de l'Afrique de l'Ouest, donc notamment nos camarades du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Et donc, le réseau a pris forme. Il est aujourd'hui composé de presque entre 25 et 28, ou je pense 30 organisations syndicales. Oui, 30. D'autres
30 d'autres organisations syndicales européennes sont venues rejoindre le réseau, donc la FGTB, la CSC, l'ERT, etc. Donc les trois grandes centrales italiennes, etc. Donc toutes les organisations qui sont intéressées par la question migratoire. Et donc par rapport à un autre sujet, et c'est en réponse à ce qu'a évoqué les premières interventions, celles de Fouad et de Sarah, c'est-à-dire pour si j'ose dire, c'est réaliser ou participer à réaliser les objectifs du millénaire, les objectifs de développement durable de l'OIT et de l'ONU, et notamment donc le premier objectif qui vise donc à éradiquer la pauvreté, à généraliser la protection sociale, etc. Et donc c'est une corrélation complète entre les ODD et les causes migratoires. Le réseau RSMMS donc est venu pour aussi encourager le développement social et économique par le biais de la migration, parce que la migration est aussi le dard du développement, un pilier de développement, du co-développement. La préservation de la dignité humaine, tout simplement, comme l'ont toujours rêvé les mouvements sociaux, la société civile, les syndicats, les progressistes, les intellectuels. Et aussi pour lutter contre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'intervention de Madame Sarah, c'est-à-dire lutter contre les politiques répressives des pays d'accueil, quels que soient les pays d'accueil. Aujourd'hui, les pays d'accueil, ce n'est plus les pays européens seulement, mais aussi les pays maghrébins qui, comme ça a bien été éclairé au début, essayent de jouer le gendarme pour plaire à l'Europe ou pour recevoir quelques aides qui ne servent pas beaucoup, en tout cas pas au développement et au co-développement du Sud. Le réseau aussi intervient pour réagir lors des crises des relations ou des situations migratoires, comme lorsque l'armée de Haftar avait bombardé le camp de rétention des migrants au sud de Tripoli, lorsque il y avait les crises des Sea-Watch, les trois Sea-Watch, etc. Il intervient aussi contre les politiques et pour plutôt des politiques responsables, comme ce qu'a fait le réseau lors de l'élaboration du pacte mondial, les différentes étapes de l'élaboration du pacte mondial, donc en correspondant avec Madame Louise Arbour, la représentante du secrétaire général, en participant donc à la rencontre de New York, et je pense que c'était notre coordinatrice, la camarade Naïma, qui avait représenté le réseau RSMMS dans cette rencontre-là, en préparant un premier plaidoyer en 5 langues pour la copie zéro du pacte, et puis suite au draft de, je me souviens bien, d'avril ou de mai 2018, donc le réseau avait également préparé un deuxième plaidoyer pour réagir à la copie de l'ONU, et aussi donc également pour former les militants syndicalistes et former les réseaux syndicaux sur la migration, pour la sensibilisation, pour la protection des droits des migrants, comme l'expérience un peu réussite et élaborée mise en place au Sénégal via la coopération de certaines composantes du RSMMS, en particulier la CGL. Et donc, c'était un réseau où toutes les organisations syndicales sénégalaises avaient pris part, et en organisant des caravanes pour aller visiter les migrants et travailler avec eux les causes humanitaires et humanistes et les droits fondamentaux des migrants sur les camps ou sur les lieux de travail. Aussi, donc, le réseau essaye de former des réseaux locaux et sociaux, et locaux et plutôt et régionaux, je dirais.
Et c'est dans ce cas que le réseau avait participé à la première rencontre de l'ensemble des réseaux syndicaux sur la migration organisée par la CIC à Bruxelles en décembre 2018. C'était le premier avec la participation du réseau RSMMS, de Migrant.net, de Atomnet, des réseaux de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, etc. Et donc, il y avait une première déclaration. Et puis, l'année dernière, en fin d'année 2020, il y avait la deuxième rencontre à distance, à laquelle le RSMMS avait joué le rôle qu'il fallait. Donc, le réseau RSMMS agit également avec les acteurs sociaux et notamment le Forum social maghrébin en place sur la question migratoire et sur d'autres questions. Au début de la pandémie, donc, qui a touché donc, les migrants qui étaient le maillon faible dans la population au Maghreb et ailleurs, il avait élaboré donc un communiqué en 30 mars déjà pour souligner les recommandations de l'OMS, de l'OMS et donc pour inciter les gouvernements à prendre à appliquer les recommandations de l'OMS et qui touchent les populations vulnérables et en particulier donc la population migrante. Aussi, le réseau avait, je pense, en septembre 2020, réagi sur le pacte mondial sur l'asile et la migration que la camarade Sarah a bien qualifié donc de réseau de solidarité des États de l'Europe pour organiser des expulsions massives. Malheureusement, avec la complicité du gouvernement du Maghreb. Donc, c'est une partie des actions du réseau RSMMS. La réalité, je pense, au Maghreb se rassemble. Donc, les organisations syndicales et la société civile essaient de faire de leur mieux. Mais le fait est que dans nos pays, il y a une donne qu'on n'arrive pas à changer, c'est l'hégémonie de l'économie informelle. Et donc, pour tout ce qui est informel, les populations ils ont une sorte d'égalité, malheureusement, une égalité pour un nivellement par le bas. Donc, tout le monde souffre de l'absence des droits fondamentaux, que ce soit les travailleurs maghrébins ou les travailleurs subsahariens ou syriens qui arrivent au Maghreb. Et donc, malgré certains essais, je dirais, de bonne foi, comme del sindicato. Pardon, je continue. Donc, s'il vous plaît. Je continue. S'il vous plaît. Oui, merci. Oui, bien donc, sûr, Mohamed. Merci. Donc, ouais, donc la population de migrants au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie souffre d'abord, comme l'a bien expliqué Sifouad, de l'absence de la protection juridique d'abord, parce que les lois sont encore ne sont pas encore un peu assez inspiré du droit international par rapport à l'égalité. Donc, la loi 0203 évoquée par Sifouad est une loi qui a été élaborée juste après les attentats de mai 2003. Et donc, c'était une loi un peu très rigide, si on ne dit pas que c'est une loi liberticide. Et donc, malgré toute la bonne volonté, et malgré la stratégie marocaine sur la migration, et malgré le fait que le roi du Maroc est nommé par l'Union africaine comme étant le leader africain sur la migration, et malgré que Rabat
et le siège de l'Observatoire africain sur la migration qui va débuter son travail au mois de février, les migrants au Maroc, comme dans les autres pays du Maghreb, souffrent le martyr en matière de protection sociale parce que, oui, on ouvre la possibilité de bénéficier des remèdes, mais les centres médicaux qui leur sont ouverts souffrent de manque de ressources humaines, manque de ressources en médicaments et en matériel. Et donc, il est temps, maintenant, je voudrais juste ajouter qu'il est temps que le Maroc organise une vague je suis désolé de dire une vague parce que ça devrait être normalisé, mais au moins il faut maintenant organiser une vague de régularisation parce que la régularisation donne droit à une adresse et à une carte de séjour et il est nécessaire d'avoir une carte de séjour pour accéder aux soins et à un minimum de protection sociale. Merci et désolé pour le débordement. Camarade Mohamed nous a parlé du réseau RSMMS. Et il a dit qu'on a besoin d'avoir des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux. On doit s'aligner et on doit lever la voix pour dire on doit s'unir. Tous les démocrates, tous les humanistes, tous ceux qui défendent les droits des travailleurs, des droits humains, doivent s'unir ou bien en réseau ou ils doivent s'unir en groupe pour défendre les lois et on peut arriver. Merci bien, M. Mohamed, camarade Mohamed. Et maintenant, la parole est à Paula Elias, notre camarade Paula Elias, du FSMM. Merci, camarade. À vous la parole. Pour ceux qui ont besoin d'interprétation, il y a Hola, Paula. Buenas tardes. Je vais parler en espagnol. Bienvenido. Okay. Oui, merci pour l'appui de la traduction. Ok, sí. Merci. Primero quiero agradecer a todos los colegas de Maghreb por la invitación y por este apoyo. Nosotros estamos en proceso de organización del Foro Social Europeo de Migraciones y que está previsto para los días 19 a 21 de marzo de este año en Lisboa, ¿no? Es muy importante aclarar que todo el proceso de construcción del foro, del primer foro europeo de... Je veux savoir si tout le monde entend le français ou non, à la traduction française. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas pu avoir la traduction française. Ni l'arabe non plus. On n'entend pas. Il y a avec nous des gens qui comprennent que l'arabe. On doit régler la chose. Pour que traduction, tout le monde comprend, Monsieur Paolo. La traduction, il faut que vous appuyez en bas. Écoutez. Pour la traduction en français, vous avez un tableau où c'est écrit traduction, c'est écrit français ou espagnol. Pour certaines raisons, il faut appuyer sur espagnol. Quand vous appuyez sur espagnol, vous avez la traduction en français. Est-ce que tu peux faire un essai, Mohamed, et parler? Merci. Je pense que ça marche. Ça marche. Oui. Ok. J'ai fait la camarade Paolo. Ok. Creo que Mohamed et Joe estamos. Madame Naïma, il y a des gens avec nous qui ne comprennent que l'arabe. Qu'est-ce qu'ils font? Mais on n'a pas de traduction en arabe. On n'a pas de traduction en arabe, ya Souad. Parce que la personne... Oui, mais Ahmad. كل المهاجرين يسمعوا الآن باللغة العربية يعني معناها سأسغى عين إلى قضية موجهة لهم لا سعاد الشاب معانا بيحكي بالإسباني احنا بنعمله بالفرنسي علشان الناس تفهم الفرنسي مع الناس واحد بالعربي لحد الساعة هذا هو اللي عندنا من بعد لما حيكون الشباب بتاعكم حيحكوا حتكون العربي كل شيء بالعربي أوكي باولو
Ok. Camarade Paolo, à vous la parole. Ok. Sí, el Foro Social Europeo de Migraciones, que es parte del Foro Social Mundial de Migraciones. Un proceso participativo. Ok. A vos la parola, camarada Pablo. Ok. Ok. Este proceso, ¿no me escuchan? Sí. Que primeramente se ha pensado hacer presencial aquí en Lisboa, pero por el contexto de la pandemia será de forma virtual. Entonces, para decirles que el foro está dividido en cuatro ejes que son transversales y muy importantes, de manera que nos permitirá hacer una reflexión profunda sobre la crisis humanitaria que fue desvelada durante la pandemia y que afecta a millones de migrantes, ya sea en sus espacios de trabajo, como también en el proceso migratorio, como es toda la situación del Mediterráneo, ¿no? Como muy bien ha dicho Sara, también debatir estas políticas que están relacionadas al Pacto Europeo de Migraciones. Otro eje, queremos trabajar también todo el proceso de criminalización hacia los migrantes y hacia también las organizaciones de apoyo a las personas inmigrantes. También trabajar desde una perspectiva, analizar los derechos políticos de los migrantes y también el papel de los gobiernos locales, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos organizado dos webinars, una en noviembre, otra en enero, y tendremos otras dos webinars en preparación al foro, que una será el 18 de febrero, para la cual nos gustaría mucho contar con la presencia de toda la gente del Foro Magreb, y otra para el 11 de marzo, ¿no? Donde en estos dos webinares, sobre todo estaremos dialogando sobre las políticas locales y también la criminalización de los inmigrantes. Para el foro, nuestra propuesta es de hacer a lo largo de una semana, del 20 de marzo, algunas jornadas de trabajo. Primero una conferencia fuerte de apertura y después dos días de debate, de asamblea, ¿no? Sobre cada uno de los ejes temáticos, dando un tiempo para escuchar las voces de los migrantes que están aquí en Europa, para que al final podamos sacar un documento y una agenda común. Nous allons trouver un document. Nous allons élaborer un document. Au nom du Forum social mondial et d'immigration, nous avons nous allons envoyer plus d'invitations pour avoir des processus de construction plus amples. L'année dernière, en octobre, nous avons tenu le Forum social d'immigration en Amérique. Maintenant, nous avons le processus du Forum social d'immigration. Surtout lorsque nous travaillons dans le nord pour penser. Pour penser s'il y a possibilité d'organisation d'un forum social régional avec dans ce processus, je vous laisse l'invitation pour la journée de demain, justement. À 15h, heure de Bruxelles, nous allons avoir une conversation sur ces dynamiques avec
avec la région d'Amérique. Ainsi, je vous remercie et j'appelle votre attention pour qu'on aborde les thématiques d'immigration pendant cette période de pandémie, parce qu'il y a des millions d'immigrants qui sont stoppés, coincés sur plusieurs frontières du monde. Et pour eux, c'est que sont les migrants qui en souffrent de plus les causes et subissent les causes fatales de la pandémie. De cette manière, désolé pour ne pas parler arabe et français, mais nous allons essayer dans cette multiculturalité pour faire des forums sociaux des moments plus joyeux. Merci. Merci, camarade Paolo. Vous n'avez pas pris beaucoup de temps quand même, malgré que je n'ai pas entendu en français, mais quand même, j'ai pu récupérer un peu en italien. Merci beaucoup. Et maintenant, on va donner la parole au dernier intervenant. C'est camarade Filippo Miraglia du comité de Sabir. À vous la parole, camarade. Vous m'entendez? Oui, non, parce que je viens d'avoir Filippo, c'est Sarah. Oui, camarade Filippo. Oui, non, il est en voyage et il n'arrive pas à avoir la connexion. Donc, c'est pour ça qu'il m'a écrit un message pour s'excuser. Qui ne peut pas être là en ce moment. Il vient juste de m'écrire parce qu'il savait que j'allais participer parce qu'il est en voyage et il n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas si c'est Serge ou tu veux. Sergio pourrait parler au nom de Sabir. Il est là, Sergio. Oui, Sergio est avec nous. S'il veut prendre la parole au nom de Sabir, camarade Sergio, à vous la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'opportunité. On a pensé que la présence du comité Sabir et Filippo, c'est un peu la personne qui a géré tous les six avant du festival Sabir aussi. Sarah, il était avec nous au début et maintenant, il est dans une dimension européenne et on est très, très content de continuer à collaborer avec Sarah aussi. Mais seulement pour dire que tout le processus de Sabir, c'est parte de cette idée de partager les domaines, les thèmes de la migration entre les différents sujets de la société civile et pour mettre la question de la migration dans l'agenda politique italienne, mais aussi dans une dimension méditerranéenne. Et vous savez que la dernière édition du Festival Sabir qui a été fait de façon virtuelle, non, pour toutes les restrictions de la pandémie. Et on a aussi pensé que l'expérience, non, l'expérience partagée dans ces six expériences peut à les trois jours de le festival, mais doit se transformer dans une expérience, on peut dire permanente, non, d'une mobilisation, une coordination entre tous les sujets qui font part du comité Sabir, non, de Arci, la Caritas. Je crois qu'on a perdu Sergio. Il est plus visible.
Sergio? Oui, on l'a perdu. Peut-être c'est la connexion. Alors, en attendant, camarade Serge, on va ouvrir parce que le temps nous presse et il nous reste une demi-heure. Dans cette demi-heure, on doit donner la parole à nos assistants, à les gens qui ont participé à ce panel. Et puis, peut-être qu'on aura un peu de temps pour donner des réponses pour les intervenants. S'il y a quelques questions ou quelque chose de plus pour nos intervenants. Et puis, dans la dernière phase, on va donner 5 minutes pour nos rapporteurs. Peut-être un des rapporteurs va nous clôturer le panel. Et merci à vous la parole. À vous, chers participants, la parole. Et peut-être qu'on revient après à Sergio. Qui veut la parole? Peut-être il lève la main ou il ouvre son magnétophone. Il peut. J'ai levé la main et j'ai levé la main et mon micro est ouvert. Qui? Vous m'entendez? C'est Mohamed. Abdeslam Belbrahim du Maroc. Non, c'est Abdeslam Belbrahim. Ok. À vous la parole. Abdeslam Belbrahim. J'ai levé la main. Oui. Peut-être j'ai... que vous avez levé un seul doigt. J'ai cliqué à 2 reprises. C'est pas grave de toute façon. C'est Abdeslam Belbrahim du Maroc, du comité suivi du Forum social maghrébin. Bonjour à tout le monde. Merci aux panélistes pour leur intervention très riche. Moi, si j'ai bien suivi les interventions, il me semble qu'aucune d'elles n'a mis le point sur un sujet très important. Je peux dire qu'on est en présence d'une crise de migration concernant, bien sûr, les réfugiés climatiques. Je crois que la prochaine crise d'immigration, c'est celle des réfugiés climatiques, surtout au temps des pandémies. D'ailleurs, la COVID-19 en fait une partie parmi ça. Donc, et il est de l'avis de nombre d'experts que le réchauffement climatique ou le réchauffement des températures va encore amplifier les flux de migration du sud vers le nord. Donc, on peut se poser la question, que fera l'Europe devant ce phénomène humain, multidimensionnel, bien sûr. Et je crois que les lois, à elles seules, ne vont pas résoudre le problème. Surtout, tout en sachant que les Africains du subsaharien vivent de manière générale de l'agriculture et bien sûr au temps des réchauffements climatiques ce secteur sera impacté, donc les gens vont fuir leurs terres et ils vont bien sûr se réfugier, et dans ces cas de figure ils vont s'ajouter aux réfugiés climatiques ou environnementaux. Il est bien sûr à comprendre que le changement climatique va entraîner une redistribution de la population mondiale. Donc, comme je disais avant, les réponses par la loi ne suffisent pas. Donc, il faut peut-être trouver une alternative pour essayer de traiter cette question humaine, mais qui nécessite d'être traitée conformément au respect des droits de l'homme comme reconnu universellement. Merci. Merci, M. Belbrahim. Vous avez bien raison, parce qu'il y a une relation entre la question des changements climatiques et la question de la migration, bien sûr. Mais on a dans ce forum un panel qui va discuter cette question. Oui, vous avez tout à fait raison. Driss, à vous la parole.
Merci beaucoup, merci Naïma. Moi, j'avais, par rapport au constat que les différents panélistes ont fait, bon, la situation est assez négative, qu'on parte de la solidarité dans l'expulsion à une situation dans les États du Maghreb où les migrants n'ont presque pas de droits, bien qu'il y ait eu quelques petites évolutions ces dernières années. Ce qui m'intéresserait, moi, par rapport, je voudrais poser la question aux panélistes, c'est quelles sont les actions qu'on peut mener ensemble et quelles sont les perspectives de travail qu'on peut faire pour changer un petit peu l'évolution des choses. Il y a plusieurs étapes qui se présentent, parmi lesquelles il y a le Forum social européen, dans lequel je pense que la partie Maghreb a toute sa place, étant donné bien que c'est un Forum social européen. Il n'y a pas de migration sans. On connaît bien les évolutions au niveau du Maghreb. Et alors, quelles sont les coordinations qu'on peut faire? Par exemple, Mohamed a parlé de quelque chose que je trouve très important, c'est la nécessité d'une régularisation et de politique de régularisation. Comment on peut mener ce type d'action? Comment on peut se coordonner? Parce que notre but avec ces panels et ces rencontres qu'on fait aujourd'hui sur les questions migratoires, c'est aussi de sortir avec une feuille de route de revendications et d'actions qu'on peut mener ensemble. Donc, c'est un peu ma question. Merci. Merci. Merci, Driss. À qui maintenant la parole? Qui veut prendre la parole? On n'a pas de main levée. Tout le monde est content par les interventions. Rima, je voudrais prendre la parole. Oui, Hamoud. À vous la parole, Hamoud. Aussi, je vais poser la question à Paolo. C'est parce que je sais que maintenant, parce que ce qui se passe en Méditerranée et que ce qui se passe en Afrique du Nord et en Europe par rapport à la question migratoire, je sais que Sin Fronteras et d'autres groupes en Amérique latine travaillent beaucoup sur la question aussi de la migration dans cette question, dans cette période de pandémie. Est-ce que c'est, j'aimerais ça savoir un petit peu ce qui se passe aussi du côté Amérique latine sur ces questions-là, sur est-ce qu'il y a un pacte comme le pacte européen sur la question migratoire par rapport aux latinos. Je ne sais pas, je suis en train de... c'est des questions, voilà. Ok, Hamoud, merci. Ok, est-ce qu'il y a... Oui, il y a une main. C'est Mohamed Louafi, fadal, camarade Mohamed. Mohamed, tu as la parole? Mohamed Louafi? Non, je n'ai pas demandé la parole, mais je suis intéressé par le débat. Donc je voudrais réagir si c'est le temps de réagir. Après, je vais vous donner la parole, Mohamed. Ça marche, merci. Oui. Ça marche, il y a merci. Un autre participant. C'est écrit participant, je ne sais pas qui. Il a levé la main. Oui, il a retiré sa main maintenant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres camarades qui demandent la parole? Ok, ils sont satisfaits, les camarades, avec les interventions. Alors, on revient aux intervenants. Il y a un participant qui veut intervenir. Il y a un participant. Il n'a pas son nom, c'est écrit juste participant. Où? Mais oui, c'est pourquoi que j'ai dit qu'il y a un participant qui a levé la main. Je lui ai donné la parole, il a retiré sa main. Bon. Notre participant, à vous la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'écoutez là? On t'écoute. Oui. En fait, je vous écoute depuis, mais je veux savoir au juste, c'est quoi le projet, quoi? Parce que je ne comprends pas du tout, vu qu'il y a un problème de connexion depuis, donc ça coupe, à chaque fois ça coupe. Peut-être chez vous, ça coupe, mais chez nous, en majorité, 99%, on s'entend. Et notre programme, c'est oui. La migration, la situation des migrants dans tout le monde oui. Et dans le Maghreb précisément aussi. Et les solutions qu'on doit trouver pour régler ces défis, pour
apporter ces défis. Moi, particulièrement, je suis une migrante résidant au Maroc, ici à Marrakech. Excuse-moi, c'est Grace qui parle. C'est Tracy, c'est pas Grace, c'est Tracy. Ah, Tracy, ok. C'est parce qu'il y a deux rencontres dans ce panel. Il y a deux sessions. Ici, c'est la première session, c'est général, c'est les politiques migratoires en général. Et toi, tu participes à la deuxième panel sur les témoignages des migrants. Si tu as des questions sur la première panel, tu es bien sûr le bienvenu. Mais pour le témoignage, on va la laisser pour le deuxième panel, si tu veux bien. Ok, d'accord. C'est mieux pour le deuxième, alors, monsieur. Ok, d'accord. Okay, alors, on revient aux intervenants. Il nous reste à peu près 22 minutes. On revient aux intervenants. On vous donne 10 minutes. Et puis, les 10 minutes, les autres 10 minutes aux rapporteurs et rapporteuses. À vous la parole, mes amis. On commence par Sarah. Est-ce que tu as quelque chose à... Oui, non, je voudrais répondre à la personne qui avait un peu levé la question de quoi faire face au constat que nous avons dressé. Et je pense que c'est une question tout à fait importante. Je voudrais recontextualiser un peu les étapes d'approbation des, du pacte européen, parce que c'est vraiment le cadre politique qui va impacter ensuite les pratiques. Aujourd'hui, ce pacte a été donc proposé le 23 septembre par la Commission européenne et il est en phase de discussion, que ce soit au Parlement européen, que ce soit à niveau du Conseil. Il est important donc de pouvoir influencer le plus possible avec nos informations sur le terrain de quel est l'impact de ces politiques. Je vais vous les faire suivre ici. Nous, comme Euromed, on a fait d'abord une analyse globale du pacte, ensuite, on a vu la partie plus relative aux frontières extérieures à niveau des États membres. Et justement, aujourd'hui, on vient de publier la note sur la dimension externe du pacte. Donc, cela va intéresser beaucoup nos amis et amies du Maghreb. Donc, je vais partager. Ce sont des instruments qu'on partage et je pense qu'il faut vraiment mettre en commun déjà les actions. Il y a quelque chose qui est important aussi. Les conseils européens discutent du pacte et il faut profiter du fait qu'on est sous la présidence portugaise. Parce que demain, par exemple, les ministres de l'Intérieur de tous les pays vont se rassembler pour parler du pacte. Il est intéressant de voir comment la présidence allemande avait absolument approuvé la proposition de la Commission européenne. Ensuite, on va voir la présidence française qui, on craint, supporter la proposition de la Commission. Mais au moins, là, on a un fenêtre de la présidence portugaise où on voit qu'ils essaient de changer les discours plutôt sur la question de l'intégration. Donc, c'est vraiment les moments à la fois d'unir nos forces pour faire entendre aux parlementaires européens qui vont modifier les pactes, quels sont les points les plus critiques à modifier. Donc ça, c'est une action concrète, c'est une action des plaidoyers européens. Il faut essayer de rassembler plus d'informations sur ce que peut signifier l'implication dans les pays de la rive sud. Et il faut essayer de travailler à niveau des capitales, regardant aussi à cette fenêtre qui nous est ouverte lors de la présidence portugaise, qui essaye voilà, de ne pas... Donc voilà, ça c'est des rendez-vous pour les prochains mois. Merci. Merci bien. On donne maintenant la parole à notre camarade Foued. Est-ce que vous avez des ajouts, mon camarade? Camarade Foued. Je pense que le camarade Foued pas encore avec nous. Oui, je veux poser la question à Sarah. Quelque chose à ajouter, oui, je veux poser juste une question à Sarah Cristiani. Pourquoi dans le pacte européen on a mis ensemble la migration et l'asile? Ok, Sarah, tu as une réponse? Camarade Fouad ne va pas parler, mais il pose la question à Camarade Sarr. On donne une minute à Camarade Sarr.
Merci. Non, je pense que la question, c'est que malheureusement, il y a une volonté d'aplatir les droits spécifiques aux migrants et aux réfugiés. Si vous remarquez, les problèmes, c'est simplement qu'ils sont ensemble, mais surtout qu'on est vraiment dans une approche sécuritaire. Toute la question de l'intégration, toute la question de l'intégration aussi du travail, la protection sociale, elle est complètement hors de ces packages. Donc, ça veut dire que la ligne directrice qui est le pacte veut, d'un côté, faire un amalgame entre migrants et demandeurs d'asile et réfugiés, mais pas dans les bons sens comme nous, on les souhaiterait, parce que pour nous, tout le monde a des droits. Donc, la seule amalgame possible, c'est le respect des droits de tous et toutes, mais dans une approche sécuritaire. Oui. Nous oublions les piliers de l'intégration sociale, de l'intégration du travail, qui sont un combat que d'ailleurs les syndicats portent dans leurs actions quotidiennes et qu'il faut vraiment supporter aussi par rapport à cette combat. Merci Sarah. Mohamed Louefi, toi la parole, Mohamed. Naïma, un petit mot. Oui. Étant donné qu'on est un peu limité dans le temps, peut-être laisser plus la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est un intervenant, bien sûr. Non. Et je voulais dire, pour le rapporteur, on peut le faire après la dernière séance. Dernière séance. Donc, la séance suivante. Comme ça, on rapportera. Si vous voulez, OK. Alors, comme ça, on donne plus de parole. Ça tendra mieux, OK. Ok, Mohamed Louef, Mohamed. Merci camarade Naïma, et un grand salut à tous les camarades participants et ceux qui suivent ce débat. Il y a eu des questions importantes par rapport au débat. Donc la question d'Idriss, que faire maintenant pour améliorer la situation, bien sûr. Donc je pense que organisations syndicales et sociétés civiles ont déjà entamé un bon parcours de militantisme par rapport à l'amélioration de la situation migratoire. Donc, notamment en consolidant les alliances et le travail commun entre les organisations syndicales du Nord, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, aussi avec la société civile, renforcer notre présence dans le forum social maghrébin, renforcer notre présence dans le forum social mondial, faire tout notre possible pour syndiquer les travailleurs marocains qui vont en Europe et maghrébins qui vont en Europe, faire notre possible pour syndiquer les travailleurs subsahariens qui viennent au Maroc, tout simplement faire notre mieux pour syndiquer le maximum de travailleurs, qu'ils soient migrants ou non migrants, pour améliorer la situation sociale. Aussi, faire de notre mieux pour que le pacte mondial ne soit pas lettre morte, ne reste pas lettre morte. Il y a des choses importantes dans le pacte mondial. Il faut faire le point lors des prochaines étapes de contrôle ou des points d'étape du pacte lui-même et peser lourd comme on a essayé de le faire avant, donc continuer de le faire. Essayer par exemple, nous en tant que RSMMS, de renforcer notre présence dans l'observatoire africain de la migration de Rabat qui commencera ses travaux en février. Aussi renforcer l'observatoire de la migration mis en place par le Forum social maghrébin, renforcer les expériences. Moi, je me rappelle l'expérience initiée par l'Union marocaine de travail et la CGIL en 2018 pour pousser les politiques italiens à ratifier la convention bilatérale entre le Maroc et l'Italie pour assurer les droits fondamentaux des travailleurs marocains en Italie. Et ce n'est pas rien, il s'agit d'environ de 650 000 Marocains qui vivent en Italie. On avait entamé une initiative. Je remercie de nouveau les camarades de la CGL, je remercie de nouveau les camarades de la Frédéric Ebert, mais aussi je pense qu'on doit continuer. On n'avait pas fait ça pour rien, on l'avait fait parce qu'on y croit fort.
Et donc, j'appelle le camarade Sergio et les camarades du réseau RSMMS et les camarades de la société civile pour reprendre ce projet et faire de même par rapport à tous les autres accords bilatéraux qui ne sont pas encore ratifiés, et notamment la situation au Maghreb, parce que les travailleurs marocains, s'ils vont en Algérie, ou les travailleurs algériens qui viennent au Maroc, ils n'auront pas, ils ne bénéficieront pas des droits de la portabilité et le transfert des droits de la protection sociale. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses à faire, et notamment la société civile et les organisations syndicales doivent renforcer davantage leur coopération et faire de notre mieux pour que tout pacte ou tout document international relatif à la migration ne soit pas juste un tape à l'œil, mais soit un document référence et qu'elle soit un peu qu'il ne soit pas un document où les droits fondamentaux soient absents. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci Mohamed. Initions-nous syndicalistes et société civile. Maintenant, la parole à au camarade Paolo. Et peut-être on va redonner la parole à Sergio. Je pense qu'il est ici. Maintenant, à Paolo. À vous, camarade Paolo. Ok. Bueno, hay que pasar para la traducción. Un minuto. Entonces, la pregunta sobre América Latina, datos muy importantes, ¿no? América Latina viene en un proceso de desmantelamiento de todos los espacios regionales, ¿no? Con la ascensión de la derecha, sobre todo en Brasil, pero también en Ecuador, Colombia, mismo en Uruguay, se ha desmantelado los espacios como la UNASUR, como el Parlamento del Mercosur, y hoy día cada país está liderando de la forma que puede con la pandemia. Nosotros como plataformas latinoamericanas, un conjunto de plataformas latinoamericanas, hemos conformado una iniciativa que se llama Iniciativa Social para América Latina y Caribe, y a través de esta hemos propuesto a la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y Caribe un plan estratégico de enfrentamiento al hambre dentro del continente. O sea, el post-pandemia está dejando a América Latina y Caribe con más de 45 millones de personas en situación de miseria. Y entre estas, claro, los inmigrantes, ¿no? Sobre todo en las regiones de frontera, lo que nos pone en un tremendo desafío, ¿no? Son más de 4,9 millones de venezolanos, por ejemplo, que están entre Colombia, Brasil, Perú y otros países que hacen frontera. Entonces, son desafíos muy grandes y no tenemos un pacto latinoamericano o un pacto americano que sea en relación a los inmigrantes. Merci, camarade Paolo. Maintenant, on revient à Sergio. S'il est avec nous, camarade Sergio, on veut bien que vous preniez la parole. Oui, merci, Naïma. Oui, malheureusement, j'ai un problème de connexion avec la ligne. Si vous m'écoutez. Oui. Maintenant, on t'écoute. Oui, bien. Parfait. Parfait, merci. Mais très, très brièvement, je voudrais répondre à la question d'Idriss. No? Qu'est-ce qu'on peut faire? No? Je pense qu'on doit travailler ensemble, mais nous devons construire une proposition alternative de gouvernance des dossiers de la migration.
nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un système où la migration c'est vu comme un problème sécuritaire, un problème policier et un problème, un dossier où les frontières ils sont fermées pour le mouvement des personnes. Nous devons avoir construire une proposition avec des réponses concrètes et factibles pour notre pays, pour notre région. On doit donner une réponse à la question de la régularisation, à la question du visa, à la question de les couloirs réguliers, non, à la question de l'accueil et de l'insertion comme politique civile et du travail du migrant. Nous devons avoir des propositions concrètes et nous devons les faire avec la coopération, la collaboration entre tous nous. C'est une question très, très urgente. Merci. Merci, Sergio. Alors, puisque on est presque terminé, on peut dire que dans ce fin de panel, je remercie tout le monde, les intervenants, les camarades qui font le rapport aussi et les camarades qui nous aident aussi de temps à autre dans la question technique. Le camarade qui ont intervenu, je pense que c'est très fructueux ce panel. Et on a parlé de la situation des immigrants. C'est une situation qui est très précaire et elle est dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Et on doit faire une stratégie ensemble pour dépasser cette situation très grave pour les migrants et les migrantes. Et on doit faire cette stratégie ensemble. On peut avancer ensemble, on peut gagner et on peut régler cette question et que les migrants et les migrantes vont travailler avec des lois qui sont qui croient aux droits des humains, aux droits de tous les travailleurs et aussi des lois qui insistent sur le travail décent pour tout le monde, ce soit quel qu'il soit, migrant ou il est dans son pays. Merci bien et je pense que on finit ce panel. Il y a Hamoud, tu veux avoir une petite parole? Il nous reste quelques minutes. Hamoud, tu m'entends? Je pense que j'ai parlé sans que tout le monde m'entend. Non, on t'entend très, très bien. Hamouda, pour l'instant, n'est pas disponible. Il a quitté Idriss. Il est là. Voilà, il revient. Voilà. Hamouda. Oui. Hamouda, il nous reste 4 minutes maintenant. On veut terminer à temps, comme on a prévu. Alors, tu as quelques minutes pour régler l'autre panel. Ok, Hamouda? Pour régler votre panel? Non, Hamouda, c'est pour la suite. Donc, la suite, c'est... La suite du panel, c'est Mouddouni qui va être le modérateur. Bien sûr. Avec les intervenants qui est Tracy, c'est ça, Tracy? Tracy, oui. de Marrakech. Il y a nos amis de Souad, d'Érythrée, les Hayahko. Il y a aussi d'autres. Il y a Serge qui je vois dans la salle. Pas Sergio, mais Serge. Et d'autres personnes qui vont parler de leur situation. Dans le contexte. De toute façon, je laisse la parole à Bouhedouni. Pablo, muchas gracias por tu intervención. Queremos que hablando mucho
con la Comisión de Migración del Magreb para discutir de un foro regional de migración para un foro mundial de migración, como le hablo, en Italia, en Sabir. Está muy importante discutir contigo en otro espacio para continuar la discusión con el Foro Social Mundial de Migración. Je remercie Sergio pour Paulo pour sa présentation et sa participation et je lui demande qu'on pourrait avec la commission migration discuter du forum social mondial migration et peut-être un forum social régional migration, comme ça on fera comme tout le monde des forums régionaux. Voilà, merci beaucoup Paulo. Merci à tous et je laisse la main à él mismo. Ahora es la segunda parte, es los migrantes que hablan o falan de sus experiencias y su vida en el problema de migración en Libia, en Mauritania, en Marruecos y en Europa. Okay. Sí, Bodoni. Es solo agradecer porque no necesita preocuparse con la traducción. Yo voy a salir con la cámara, pero quiero acompañar estas experiencias. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. إذن شكرا. أنا أنسحب يا حمودة. أيوة. أدري اسميته بوهدوني حميد. هياخد الكلمة. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. شكرا. Bonjour tout le monde. Je remercie mes amis, les panélistes de la première plénière qui a été consacrée aux politiques migratoires au niveau surtout de la Méditerranée et leur impact sur la migration, sur les droits fondamentaux des migrants. Dans cette séance ou cette plénière, nous allons la consacrer à donner la parole aux migrants pour raconter leur vie durant la pandémie et avant la pandémie. Comment ils ont vécu cette période qui a été caractérisée par la crise de sanitaire et les mesures qui ont été prises, est-ce que les mesures prises ou pour répondre à la pandémie, est-ce qu'elles ont tenu compte des droits des migrants, quel que soit leur statut par rapport à la migration ou non? Bien sûr, nous sommes d'accord sur le constat que leurs droits fondamentaux ont été régressés plus, c'est-à-dire que la situation est devenue plus grave qu'avant la pandémie, mais nous voulons entendre les migrants qui parlent de leur vie durant cette période. Bien sûr, ces témoignages, nous n'allons pas décrire la réalité de ces migrations, mais à travers ces témoignages, nous voulons encourager d'autres migrants, d'autres réfugiés de raconter, de décrire la situation de leurs droits fondamentaux durant cette période et avant cette période, bien sûr, envie de dénoncer cette situation et ça aide aussi à faire le plaidoyer au niveau des institutions internationales ou régionales. En plus, l'objectif de cette session plénière, c'est de rendre hommage aux migrants qui ont perdu leur vie durant leur parcours
pour traverser les frontières donc, et des disparitions lors de ce trajet. De plus, les migrants qui sont installés au niveau des pays d'accueil et qui subissent des violations graves de leurs droits fondamentaux, tant économiques, sociaux, que de droits civils et politiques. Donc, nous allons donner la parole en premier lieu aux migrants. Et s'il y a le temps, nous allons également donner la parole aux associations d'appui aux migrants. Parce qu'ils sont là-bas, c'est grâce à ces associations que ces migrants ont pu résister et ont pu constituer également des associations de migrants pour que ces migrants soient des acteurs et non pas seulement des victimes. Donc, en premier, je donne la parole. Hamid, est-ce que tu peux faire un tlkhis bil arabiya les ikhwan li titkalmou chi français? هاد ال 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 الفترة مخصصة لإعطاء الكلمة للمهاجرين لتعبير عن وضعيتهم أو كيف عاشوا هذه الوضعية وضعية خلال فترة الأزمة الصحية بسبب جائحة كورونا سواء خلال هذه الفترة أو ما بعدها في نفس الوقت هي لحظة لتكريم العديد من المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أثناء المرور أو عبور الحدود أو أثناء تواجدهم في بلدان الاستقبال يعني في بلدان الاستقبال يتعرضون للعديد من الانتهاكات تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية ونريد أن نعرف من هذا المنبر كيف عاشوا خلال هذه الفترة سواء هم أو المهاجرين اللي بجانبهم هذا هو الهدف من هذه اللحظة يعني في الفترة الأولى هو تكلمنا نظريا على الآثار ديال السياسات الهجرة على حقوق المهاجرين ولكن الآن كنشوفوها انطلاقا من معاناتهم هذا هو الهدف من هاد الحلقة هذه الثانية وغادي نعطي الكلمة في البداية donc je donne la parole à Tracy Gaba c'est une jeune camerounaise donc la population camerounaise existe depuis que le Maroc a été exposé au flux migratoire donc la première décennie donc il y avait une communauté subsaharienne au Maroc et dans ce je tiens dans cette occasion je tiens à rendre hommage à notre ami Didier Fabien était un migrant camerounais et c'est un migrant qui a été courageux. Il a fait un livre de témoignage sur sa trajectoire. Donc il a été décédé en 2017 en France. Son livre de témoignage au pied des murs. Donc, je
C'est à toi, Tracy Gaba, de la parole. Bonsoir à tous. On vous entend pas très bien, Tracy. Ah. Je pense que vous avez un problème avec votre micro, mais... Oui, je pense bien. Donc, pour moi, je trouve à dire que après, avant la pandémie ou bien après la pandémie, du coup, je trouve pas rien à changer pour nous, les immigrants ici au Maroc, du coup. Vu qu'il n'y a pas de boulot pour nous, et on nous demande en plus d'avoir une carte de séjour. Donc, du coup, je vois rien qui change pour nous ici. Le micro des... Je pense qu'il y a un problème de son. Il y a un problème de son, effectivement. La parole à quelqu'un d'autre en attendant. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Peut-être qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre en attendant. Donc, je donne la parole à, en attendant que, qu'elle règle le problème de son. Nous restons toujours au Maroc. Je donne la parole à Serge, du conseil, du président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc. Donc, c'est une organisation qui a été constituée en 2005 avec l'appui des associations des droits humains. Personnellement, j'étais témoin lors de la mise en place de cette institution. Et bien sûr, c'était une bonne nouvelle pour les organisations internationales. Je lui donne la parole. Le problème, c'est que Serge, il n'est plus dans le panel. Il a disparu entre-temps. Oui, c'est vrai. Idriss, le camarade l'Érythrée, رفع اليد ومن مدة. مش مشكل نعطيونا الكلمة للصديق عبدو وهو مهاجر إريتري في ليبيا ونحن نعرف الوضعية في ليبيا. Donc je donne la parole à Abdou, de c'est un migrant en Libye et on connaît tous la situation, l'enfer en Libye. Donc, la parole à Abdou. Abdou, il a également disparu. ميكرو تاعو مشدود قول له يحل الميكرو افتح الميكرو عبدو
عبدو تكلم ليك الكلمة يا عبدو. أيوة يا محمود. أيوة تكلم. تكلم. والله طبعا يا صاد داير أشرح ليك الحاصل فينا في البلد هذه في ليبيا. سامعني؟ سامعينك. أيوة تمام. والله نحن طبعا المهاجرين اللي قاعدين هنا هجرة غير شرعية في ليبيا اللي قاعدين على العموم يعني قاعدين تعبانين، لا في أدوية لا في سفر لا في أكل لا في أي حاجة، ما في أي حاجة عديل في اللي حياة اللي عايشين فيها نحن. هو يتوقع انك تسال اسئله فممكن تساعد شويه في الحديث. ما تجيب السماعه انت تسمعوني؟ ايوه احكي عن تجربتك كمهاجر، وضعيه المهاجرين، المعاناه. والله معانا طبعا يعني في حاجات كثيرة يا أستاذ، لأنه ما أقدر أقول لك في حاجة واحدة، ما في أي حد معاني من الظروف بتاعه ومن الحياة اللي عايش فيها. نعم. أول حاجة، ثم ثانيا أول حاجة ما في حاجة اسمها حرية في البلد دي، كأنك أنت قاعد في الحبس. وثم ثانيا برضو في حاجة اسمها بالليل ما تقدر ترقد، انت قاعد في الحوش في الغرفة بتاعك ما تقدر ترقد لانه في حرامية في كل شيء. سامعني؟ تفضل. والوضعية المعيشية يعني كيف، يعني من ناحية الوضعية الغداء والماء ما في ده قاعد تقول لي انت ما في عديل، ما في. شوف نحن راقدين في شنو، ما في عديل، لا في اكل ونيونستار لا في اي حاجه، مرتبه ما في. شايف محل النوم؟ هذه محل النوم هي. هاد الوضعيه يعيشها كل المهاجرين او انت فقط؟ والله ولا هذا انا اللي عايش فيها، هذه الغرفه بتاعي. نعم. وفي برضو اصعب مني برضو فيه واحسن مني فيه، ما اقدر اقول لك يعني كلهم صعبين وكلهم برضو يعني كويسين. عبدو احكي. أيوة. قصتك وين كنت؟ اكثر من سجن، اكثر من مكان، الرحله لاوروبا، كيف رجعوكم؟ ايوه تمام. والله اول حاجه احنا طبعا كنا في الحبس بتاع طريق المطار، هجره غير الشرعيه. وثم ثانيا قعدنا هناك، من هناك حولونا لزنتان الجبل، من الزنتان طبعا قعدت هناك زي سنه وحاجه. ثم ثانيا من هناك مرقت ومشيت البحر. من البحر طبعا في البحر مشينا 6 أيام داخل البحر، يعني مشينا 6 يوم في القمة. وبعد 6 أيام رجعونا المالتين طبعا انقذونا وماتوا مننا 12 أنفار في البحر. سامعني انت يا حاج؟ عبدو العالم كله يسمعك. تمام. المهم بعد ما مشينا 6 يوم ماتوا مننا 12 انفار وانقذونا المالتين. بعد ما انقذونا المالتين عملوا بينا يومين في البحر داخل البحر، وقالوا انتم كلاس يعني كدي وصلتم لاوروبا وخشيتم مالتا. قلنا لهم تمام. من مالتا
لافين بين يومين في الحدود مالتي يعني الأراضي مالتية والإنقاذ ذات السفينة اللي أنقذتنا هي مالتية ومن هناك نحن ما فاهمين شيء جابونا في الحبس بتاع ليبيا جابونا في ليبيا طرابلس هنا ودكلونا في الحبس خشينا في الحبس المهم وهناك برضو قعدنا زي أربع شهور بعد أربع شهور جاءت الدكتورة بتاع السعاد دي قاعدة تتكلم معاك حسي وهي طبعا بارك الله فيها في نصهم يعني مرقتنا هي وفي جماعة برضو يعني هربوا ومرقوا يعني وفي ناس دفعوا فلوس واتكرجوا من هناك هذا اللي حاصل بتاع موضوع البحر وغيره برضو حسي قاعدين برا في طرابلس ولا في مصاريف بتاع اليونسار لا في سفر لا في أي حاجة طبعا مجدوعين كأننا نحن كلاب وعايشين هاد الفترة كانت قبل هاد كورونا فيروس أو خلال مرحلة كورونا فيروس لا كان في كورونا الزمن ده زمن نحن خشينا بحر كان في كورونا ولا حسي دكتور زي الناس ما في والأكل زي الناس ما في والمساعدة زي الناس ما في من حاجة اسمها يونس آر وطبعا نحن يقولوا نحن قاعدين معاهم وراح نسفر وراح ندير لهم وندير وما فيش شيء كذب بس نحن بس ماسكين الورقة بتاعهم حاجة اسمها هجرة غير الشرعية وخلاص ما في حاجة اسمها فائدة منه المراكز اللي كنتم محتجزين فيهم هل مراكز رسمية أو هي تبع الجماعات مسلحة؟ طبعا نحن خشينا مراكز خشينا جماعة مسلحة قل ما خلينا أي حاجة شكرا عبدو شكرا التضامن مع مهاجرين بليبيا donc je fais un petit résumé c'est que les migrants en Libye vivent des conditions inhumaines donc d'après son expérience elle a été exposée à la torture il a fait des tentatives de traverser la frontière en mer Donc, il a été attrapé par la police de Malta et il a été retourné. Donc, il a été retourné, placé dans des centres de détention. Des centres de détention, parfois, ce n'est pas des centres officiels, toujours, mais également, il a été dans les mains d'une milice. Donc, voilà. Et il parle d'autres migrants qui ont trouvé la mort, 12 migrants ont trouvé la mort à côté de lui. Donc, Et d'autres migrants, ils ont été livrés entre les mains des passeurs. Donc, voilà ce que... Donc, ils vivent des conditions qui sont inhumaines. Donc, ils parlent de la situation qu'ils vivent. Et on peut la généraliser à tous les migrants au niveau de la Libye. Et bien sûr, en 2017, vous avez vu des images de migrants qui ont été vendus. Donc, c'est l'occasion pour les associations qui travaillent avec les migrants de dénoncer, de condamner cette situation que vivent les migrants en Libye. Mais bien sûr, dénoncer la politique européenne qui est complice de tout ce que vivent ces migrants au niveau de la Libye avec les accords de coopération maintenant qui ont été signés avec les autorités libyennes et
pour demander à ce que ces accords soient suspendus. Merci, Abdou. Je donne la parole également à Bedel Gnabli. C'est un migrant en Tunisie. Je donne la parole à Bedel Gnabli, c'est un migrant en Tunisie. Donc, bonjour, monsieur Bedel. Sinon, je passe la parole à Sidi Katoua. C'est un migrant également en Belgique. Donc, bonjour, Sidi Katoua. Micro. Oui, bonjour. J'avais coupé le micro. Juste dire que j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, je suis une personne migrante selon les définitions qu'on accepte. Mais j'interviens pas en tant que personne migrante. J'interviens ici en tant que personne faisant partie d'un groupe de soutien aux personnes migrantes. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que ça a été prévu parce que je me dis que la parole des personnes qui sont dans la situation et qui peuvent témoigner prime. Et donc, si vous pensez que je dois passer maintenant, moi, il n'y a pas de souci, mais c'était juste pour que vous le sachiez, quoi. Oui, c'est pas un problème. C'est puisque vous soutenez les migrants, vous okay. vivez avec vous. Tu nous racontes ce que vivent les migrants en Belgique. Totalement. Et donc, Sûr, à travers vous, nous encourageons les migrants que vous soutenez de faire des récits, de raconter leur vie au public. Ok. Donc, c'est une façon d'aider les organisations de la société civile à améliorer son plaidoyer. Ok. Et donc, pour commencer, je dispose bien d'une heure, c'est bien ça, pour parler. Non, tu as tu as 5 minutes. Ok, ça va. Je vais structurer ma prise de parole pour être efficace, partir des constats et puis pour finir faire des propositions. Mais peut-être je ne pourrais pas parler sans pouvoir avoir une pensée pour toutes ces personnes anonymes qui n'ont pas pu témoigner ici et qui d'habitude n'ont pas la possibilité de témoigner, mais que je rencontre quotidiennement sous mes diverses casquettes. Je pense que c'est important d'avoir une pensée pour toutes ces personnes-là. Et en Belgique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elles sont nombreuses, les personnes qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits. La deuxième chose, c'est une pensée pour une personne qui faisait partie des soutiens et qui nous a quittés l'année passée, c'est Serge Noël. Je pense que c'est important de ne jamais oublier les soutiens aux personnes en situation de migration. Et Serge Noël a œuvré beaucoup. Et ici, j'aimerais bien avoir une petite pensée pour Serge. Et donc, très rapidement, la situation en Belgique, évidemment, on pourra toujours dire que c'est mieux que dans certains pays. Mais je pense, sur un plan belge, sur un plan européen, la situation n'est pas rose, et je dirais même pire. Je crois que la situation, tous les jours, va en s'assombrissant. La situation des personnes qui résident en Belgique en situation de migration, il y a deux types de personnes qui sont en situation de migration. C'est des personnes qui ont obtenu un titre de séjour
et les personnes qui n'ont pas obtenu un titre de séjour en Belgique. Et entre les deux, évidemment, les premiers, c'est-à-dire les personnes qui ont obtenu un titre de séjour, on peut dire que leur situation est plus ou moins correcte, mais et c'est là où je voulais en venir, c'est que il y a une précarisation généralisée de tous les droits, c'est-à-dire les personnes qui sont reconnues, qui ont été acceptées en Belgique, ont de moins en moins de droits ici en Belgique. Tous les jours, toutes les semaines, chaque année, ces personnes ont de moins en moins de droits. Et les personnes qui ne sont pas acceptées en ont encore moins. Et la pandémie que nous connaissons est une belle occasion pour un peu étaler au grand jour ce qui est en train de se passer par rapport aux personnes en situation de migration, parce que on pourrait imaginer qu'il y a une prise de conscience sur le fait que la pandémie qui est arrivée, eh ben, ne choisit pas qui peut être contaminé. Et donc, je prendrai l'exemple de personnes sans papier. Est-ce que vous savez que la Belgique, l'année passée, a confiné? La Belgique a décidé qu'il y aurait un confinement. On a pensé le confinement pour tout le monde, sauf pour les sans-papiers. Sauf pour les sans-papiers. Exemple concret, il y a eu distribution des masques à toute la population et cette distribution-là par différentes autorités belges, cette distribution s'est effectuée sur base un peu de registres et des listes qui existent, des listes officielles. Tout le monde a reçu au moins 2 masques en Belgique, sauf les sans-papiers. Ici, on parle des vaccins. De plus en plus, toute la population belge, il est prévu que toute la population soit vaccinée, sauf évidemment les sans-papiers qui doivent demander à être vaccinés, alors que pour les autres personnes, il va de soi qu'il faut protéger ces personnes-là. Et donc, c'est assez emblématique et symptomatique de la situation qui vise à nier les personnes qui sont déjà sur le territoire et à nier ces personnes-là comme si elles n'existaient pas. Et donc, la pandémie vient un peu révéler au grand jour le quotidien de ces personnes-là. Et donc, on ne prévoit pas de les protéger, alors que faut pas être médecin pour comprendre que même les personnes sans titre de séjour en Belgique sont en danger face à la pandémie. Mais on continue à se voiler la face, à ne pas autoriser ces personnes-là à accéder comme tout le monde, à la santé, à une protection minimale. Et donc, c'est problématique, mais en même temps, c'est une belle opportunité pour se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut continuer à nier le droit de toutes ces personnes-là qui sont en Belgique? Et ces personnes sont nombreuses. On peut estimer des chiffres à plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est des estimations qui existent. C'est beaucoup de personnes qui existent et qui n'ont aucun droit ici en Belgique. Et l'idée, en partant du fait qu'il y a une partie de la population qui n'est pas protégée, eh ben, est-ce que on ne pourrait pas commencer par décider que toute personne résidant en Belgique a des droits et que ces droits fondamentaux à la santé, à la justice et à tous les autres aspects, que ces droits fondamentaux puissent être garantis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on peut aussi imaginer, et c'est la deuxième proposition, une exportabilité des droits. Parce que en Tunisie, par exemple, on peut constater qu'il y a l'UGTT qui décide d'affilier les personnes sans papier, qui peuvent devenir les personnes migrantes, qui peuvent devenir membres de l'UGTT, eh ben toutes les personnes affiliées à l'UGTT qui arriveraient en Belgique, on peut imaginer que les syndicats partenaires de l'UGTT puissent prendre le relais ici pour dire ces personnes-là sont à un moment donné porteuses de droits et que on peut réfléchir à un concept qui quitte
un peu qui dépasse les frontières. On ne parlera plus d'état de droit, mais on parlera de citoyen ou de peuple de droit. Le fait que la personne soit là, ben, elle est porteuse de droits, elle génère des droits. Et donc, ça, c'est un concept, une proposition à travailler de manière à un moment donné à ne plus se laisser enfermer par les frontières qui, à un moment donné, décident, ben, tiens, en fonction de l'identification ou de la carte d'identité que l'on porte, on peut avoir plus ou moins des droits. Et donc, voilà un peu les deux propositions phares que je mets à débattre, c'est les droits fondamentaux comme fil rouge et l'exportabilité des droits des personnes, peu importe l'endroit où la personne se trouve, il suffit que la personne se trouve quelque part pour qu'on puisse lui reconnaître des droits. Et donc voilà, j'espère ne pas avoir dépassé les 5 minutes. Merci Sidi Katoua. Bien sûr, nous rendons hommage également à Serge Noël. Serge Noël, elle a également travaillé avec les migrants au Maroc. Il a été l'un des derrière la constitution du Conseil des migrants subsahariens au Maroc. Donc, il a travaillé également avec les associations sur le sujet des enfants des rues à Tanger. Donc, bien sûr, on ne peut pas l'oublier et oublier son combat pour les droits des migrants et les droits des enfants. Également, les Nations Unies, dans une note adressée au gouvernement du monde, les migrants, quel que soit leur statut, qu'ils soient réguliers ou non, ils doivent être pris en considération lors des réponses à la pandémie du COVID. Et ce n'est pas seulement lors de la pandémie, mais également après la pandémie, lors de la relance. Donc, les migrants ont tous les droits fondamentaux, ils ont accès à tous les droits fondamentaux. C'est exprimé dans le droit international des droits humains. Merci de nouveau, Sidi Katoua. Donc, je reviens. Si Serge Gama, donc il paraît qu'il n'est pas encore avec nous. Donc, je donne la parole aux associations d'appui aux migrants. Donc, en premier lieu, je donne la parole à Souad Ouedi pour exprimer la situation des migrants en Libye. Et puis, on passe à d'autres. Bonjour tout le monde. J'aurais aimé parler en arabe, bien sûr, pour mes camarades ici. Il y en a beaucoup qui sont en train de suivre avec nous, mais on va expliquer ce qui s'est passé parce que Abdullah est presque quelque part un porte-parole. Ah, vous m'écoutez? Comment? Comment? Ah oui, en fait, comme nous avons beaucoup de problèmes de communication en Libye, bon, des fois je me demande si ça passe bien. Moi, ce que je me désole, en fait, me désole toujours, qu'on est en train de parler de ces migrants, de ces êtres extraordinaires, ce que j'appelle moi pratiquement des êtres presque de lumière, parce que les traversées, par exemple, de Abdou. Par exemple, hein, si on prend Kabdou, là, qui témoigne avec nous, de l'Érythrée, traverser notre mer vers le Yémen, traverser encore notre mer vers le Soudan, traverser le désert libyen, après arriver dans plusieurs centres, en fait, pour ne pas dire de prison, avec toutes sortes de violences, toutes sortes. Et la vue Abdou devant vous, et la vue des morts, il a vu des camarades mourir de toutes sortes de violences. Hein. Et après, en fait, après un chemin, 3 ans de souffrance, il a réussi de prendre la mer.
vers l'Europe, ok? Arrivée à l'Europe, elle est arrivée à Malte. Elle était arrivée après deux jours dans la mer sans manger, sans boire, avec des autres migrants, femmes, enfants et d'autres Érythréens et de Sud-Soudanais surtout. Et après, je ne comprends pas comment un pays européen décide de renvoyer de ce genre, même pas. En fait, moi, je parle à ce moment-là de non-assistance à une personne en danger juridiquement. C'est un crime. Parce qu'il y en a 11 qui sont morts de faim, tout simplement, et de soif. Et les renvoyer en Libye, là où être sans papier, comme elle a dit, le camarade de Belgique, ou entrer sans visa, c'est déjà un crime. Et donc, considéré par rapport à la loi libyenne, qui est une personne qui devait aller directement, tout simplement, dans le prison. Et en fait, je ne peux pas vous dire autre chose. Et le combat, notre combat, nous, comme des militants de base, de les faire sortir ces gens-là. Imaginez, quand je dis descendre des êtres extraordinaires, parce qu'en fait, c'est traverser l'exode des mois, des années. Ça demande une force physique et morale extraordinaire que nous n'avons pas, nous, hein, les gens qui ont la vie facile. Nous n'avons pas de ça. Des garçons et des femmes et des êtres extraordinaires, tout simplement. Et là, leur destin, c'est vraiment emprisonné dans un trou, vraiment des trous, pour ne pas dire autre chose. Bon, et arriver au pouvoir, les sortir, notre compagnon, et voilà, et comme elle a dit, j'ai réussi de le faire sortir. Et le sortir après où? Qui paye les loyers? Comment manger? Quel espoir? Pour aller où? Ils ne peuvent jamais rentrer chez eux. Il y a un dictateur qui les attend, soit ou les guerres ou les souffrances autres. Ils ne peuvent pas aller en Europe parce que vous ne voulez pas d'eux, vous les Européens. Et vous les envoyez en Libye, là où ils se sont traités comme criminels. Et c'est là où je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y a 10 milliards d'argent qui sont loués pour, soi-disant, résoudre le problème, ce problème. Mais je ne sais pas. Ces migrants ne touchent rien, ne voient rien. Même quand ils peuvent manger, parce que c'est nous qu'on intervient pour leur donner quelque chose. Tout simplement, c'est la situation en Libye. C'est la situation de ces migrants. OK? Moi, c'est une chose. La deuxième chose, moi, je n'ai pas vu, ou je n'ai pas entendu, même des femmes qui sont avec nous, des militantes, les violences faites aux femmes, les viols dans les traversées, des viols gratuits et stupides, et des souffrances autres, et qui étaient vraiment, mais pour moi, et peut-être notre observatoire, quand elle a commencé le combat avec les migrants, par ça. C'est une chose. La troisième chose, et je ne peux pas prendre la parole plus que ça parce que cette parole était à eux aujourd'hui, peut-être quelque part je deviens porte-parole malgré moi, et qu'il n'y a pas l'humanité quelque part absente totalement. Parce que nous, les Libyens, et je dois dire ça parce que je ne peux pas juste m'arrêter dans leur droit à eux, nous, on est en train, nous, les Libyens, moi, je ne sais pas pour les autres. Le code libyen, il est en train de nous envoyer de corps au quotidien. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est insupportable. C'est insupportable. Pourquoi vous laissez mourir ces gens extraordinaires? Pourquoi? Les enfants en Libye ne pouvaient plus manger de poisson parce que vous voyez les corps quand ils rentrent à moitié manger. Bah, je suis désolée, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Merci, Saad. Bien sûr, la situation en Libye et dans toutes dans tous les pays où ils sont exposés à des conflits armés,
les migrants et les réfugiés sont les premiers boucs émissaires. Donc, nous exprimons toute notre solidarité avec ces migrantes et ces migrants, sans oublier les femmes et les enfants de migrants. Et bien sûr, tous ces migrants doivent être protégés et avoir un statut de réfugiés, non seulement des migrants, sachant que même ces migrants ont quitté leur pays parce qu'ils n'ont pas trouvé des conditions socio-économiques appropriées ou parce qu'ils veulent améliorer leur situation sociale. Donc, je pars à une autre intervention. Je ne trouve pas qu'il y a des Tunisiens ici. Donc, je donne la parole à Fouad. Fouad Hassan. Fouad. Est-ce que Serge, même déjà... s'il a été panéliste, mais il peut faire une présenter une vue de la situation des migrants en Algérie en cette période de pandémie. C'est un témoignage. Si tu veux, Mohiddin, allez. Oui, Mohiddin, Wadouni, bonjour. Bonjour. Très bien. Durant l'année 2020, sincèrement, personnellement, je n'ai pas suivi beaucoup la situation des migrants, mais j'ai des amis. J'ai traité au début de l'année 2020 un cas d'enterrement d'un Gambien. Donc, j'ai rencontré des Gambiens et des Sénégalais, des gens formidables dont j'ai entretenu de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. En 2020, il faut savoir que l'Algérie, même dans la période de confinement, entre mars, avril, mai, il y a eu des déportations faibles, mais il y a eu des déportations. La situation des migrants actuellement, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de migrants en Algérie. Il y a peu de migrants, de nouveaux migrants qui arrivent, très peu qui arrivent aussi de la frontière occidentale, c'est-à-dire du Maroc. Le passage est très difficile, mais j'ai rencontré quelques-uns et je les ai transportés parce que je travaille aux frontières marocaines. Je les ai transportés à Rouen. Donc le passage, il existe, mais il est très faible. En cette période de pandémie, le travail pour les migrants, c'est rarifié. Même au début du confinement, au mois de mars, il y a eu des associations qui ont aidé alimentairement des populations migrantes ici à Oran. Je parle d'Oran, je n'ai pas d'idée de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Merci Fouad. Je passe la parole à Allô? Oui. Fouad? Allô? Serge. Ah, Serge. Ah, c'est bien. Donc, Serge. Oui, ok. Oui, vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Ok, je dis bonsoir à tout le monde. Je remercie les organisateurs, je remercie les panélistes qui sont passés avant moi. Je remercie tout le monde qui est immobilisé ici présent. Je m'excuse vraiment de mon retard. C'est dû au réseau. Bien sûr, je me suis beaucoup battu avec l'aide des organisateurs pour que le réseau soit établi. Vraiment, c'est vraiment une fierté pour moi. Comme vous avez si bien dit tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre introduction en parlant de l'association Conseil des migrants, le Conseil des migrants est un fruit de Serge Noël.
Problème de son. Allô? 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 Oui. Oui, oui, Monsieur le Président, merci une fois de plus. Comme je disais tout à l'heure, c'est avec votre aide, l'aide des organisateurs que j'ai pu rétablir. Vous savez, la technologie joue, l'homme a créé la technologie a fini par trahir l'homme. Je suis le président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc, comme vous l'avez dit, une association qui est créée depuis 2005 par rapport aux événements. Tout ce qui est aujourd'hui une bonne part de la migration au niveau du tout. À nouveau, du Maroc, de la période de pandémie COVID-19, grand comme le monde au niveau du Maroc, qui sont restés de cette pandémie, par de santé, de la pandémie ne peut se rendre être depuis de la discrimination. Mais il y a un problème, Serge. Un problème de son. Qu'il fallait. Bon. C'est bon? On n'entend rien. Je pense que la communication est assez mauvaise. Donc oui, oui. Il faudrait peut-être... Oui, Hamid. Oui, on va passer la parole à d'autres s'ils veulent. J'avais demandé la parole, si tu veux bien. Oui. OK. Moi, ce qui m'a interpellé, bon, c'est un peu dommage qu'on ait ces problèmes techniques parce qu'il est important qu'on ait ces témoignages et qu'on puisse avoir les situations parce que même si on a discuté tout à l'heure des problèmes d'expulsion et de réadmission et des politiques européennes qui sont focalisées sur l'externalisation des frontières. Le témoignage d'Abdo est quand même assez, assez prenant, et d'autant plus qu'il y a des éléments que je ne connaissais pas et que je viens d'apprendre dans son discours, c'est qu'il est arrivé en Europe et qu'on l'a expulsé de l'Europe vers un pays qui est en guerre où les conditions de vie des migrants c'est quasiment criminel, c'est criminel ce que l'Europe a fait. Et donc, c'est important qu'on mette en exergue ces témoignages-là, parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait de réadmission, on parlait beaucoup de réadmission de pays, de résidents, comme on a parlé tout à l'heure des Tunisiens ou des Marocains qui se trouvaient soit en Italie ou en France. Ici, c'est des réadmissions de personnes qui arrivent dans des situations très difficiles, dans des territoires qui sont des territoires en guerre. Donc, comment on peut combattre ce type de comportement des États? Et ce n'est pas simplement l'État de Malte, c'est les États européens. Et là-dedans, ça fait partie aussi de notre activité, de nos activités prochaines dans les luttes. Et je voulais aussi un petit peu
le dire, c'était aussi parmi nos étapes au niveau du Forum social maghrébin, de l'Observatoire maghrébin d'immigration, des dynamiques maghrébines, c'est le prochain tribunal permanent des peuples qu'on doit organiser sur la question et où la part des témoignages est importante. Donc, je veux dire, c'est techniquement, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment très enrichissant d'avoir ce type de témoignage pour pouvoir définir quelles sont nos actions et quelles sont les alternatives, les luttes qu'on peut mettre en place. Merci. Merci, Idriss. Je suis d'accord avec toi qu'il faut reprendre le contact avec nos intervenants pour l'aider à faire des récits sur leur vie. Eh bien, en vue de recueillir plus de messages et pourquoi un livre sur la vie des migrants, sur la vie des migrants pendant la pandémie, qui peut être un document de plaidoyer et peut être présenté lors du Forum social mondial prochain, ou bien le Forum social Mashrek Maghrib. Ou le tribunal permanent des peuples. Oui, bien sûr. Okay. Donc, ce sera une bonne chose de recueillir ces messages et d'encourager d'autres migrants qui ont vécu réellement des situations qui sont dramatique. Donc, à qui la parole? Moi, je vais juste poser une question rapidement. En français, on n'a pas compris de quelle origine était Abdou. On n'a pas compris d'où il arrivait. Oui, c'est un Abdou, c'est un érythréen. Donc, c'est un pays, c'est un migrant, c'est pas un réfugié, c'est un migrant économique. Mais pour nous, on ne distingue pas migrants économiques entre. Ce sont tous des exilés. C'est pas un migrant économique, je suis désolée. Des exilés. Il fuit une dictature. Il fuit une dictature. Et ils sont partis parce qu'ils étaient menacés chez eux. Ces garçons-là, en Érythrée, ils sont en danger. Comme on était en Libye, par hasard, j'étais moi-même déracinée pendant 30 ans. C'est pour ça que je comprends, parce que j'ai fui la Libye sous la dictature de Kadhafi. Eux, ils font la même chose. C'est pour ça que je m'en identifie à eux. Et donc, ils n'est pas migrant pour des raisons économiques. Ils fuient son pays parce qu'il risque sa vie. Mais par contre, il a vécu la mort milliers de fois en Libye. Oui, merci Saad, mais lorsqu'il s'est présenté, il n'a pas dit que c'est un réfugié ou bien c'est un demandeur d'asile. C'est ça, donc c'est lors de la présentation, des présentations, les personnes qui ont pris la parole ne sont pas présentées. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut les recontacter pour les aider à faire des récits suivant des questions claires, pour faire des récits qui sont consistants. Donc, s'il y a... Oui, je reviens, je suis revenu, j'espère que je suis écouté. Oui. Serge, c'est bon. Oui. OK, je vous remercie une fois de plus. Je continue à m'excuser parce que ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas de ma faute. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre dès le début, je disais que... Les migrants subsahariens dans le monde sont ceux qui ont été vraiment touchés et dévastés par la pandémie COVID-19. Et au niveau du Maroc, nous avons vraiment, les migrants sont ceux qui ont souffert par rapport à l'accès aux services sociaux de base, plus précisément l'accès, par exemple, aux centres de santé de proximité par rapport à d'autres problèmes de santé. Alors, il y avait des peurs que de mal, les méfiances et tout, et tout, et tout. On ne peut pas dire peut-être discrimination, mais c'est plus comme une discrimination. Les migrants
Toujours, il y a une difficulté. C'est vraiment dommage, ce problème de connexion. Oui, oui c'est bon. Oui. Donc, allô? Oui, Serge. Allô? Oui. Oui, je disais tout à l'heure que c'était vraiment difficile pour les migrants de pouvoir vivre dans des maisons parce qu'ils ne pouvaient pas payer et ils avaient aussi des difficultés de se rendre dans les centres de santé et tout. Mais ma préoccupation aujourd'hui va à l'endroit du durcissement de renouvellement des cas de séjour pour ceux qui sont soi-disant en situation administrative régulière au niveau du Maroc. C'est toujours pendant ce confinement que les autorités ont pu ressortir des critères qui durcissaient le renouvellement des cas de séjour. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour des migrants de pouvoir continuer à renouveler les titres de séjour. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec ce climat qui est très, 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 très difficile, les migrants qui continuent à prendre le voyage pour la mer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus vivre au niveau du Maroc. Disons, pour renouveler sa carte de séjour au niveau du Maroc actuellement, il faut présenter un contrat de bail. Et pour pouvoir avoir un bail au niveau du Maroc, il faut posséder une somme équivalente, une somme presque plus de 9 000 dirhams. Pourquoi? Parce que l'immobilier la plus moins chère, plus précisément dans les localités comme le Rabat, la plus moins chère est à 3 000 dirhams. Et vous devez verser 3 000 dirhams de frais de location, vous devez verser 3 000 dirhams de caution de location, vous devez verser 3 000 dirhams de frais de caution d'agent immobilier, ce qui vous revient à 9 000 dirhams, plus les frais de syndic et les frais la caution de l'eau et l'électricité. Ce qui fait que les migrants ne peuvent pas, avec leur précarité, leur vulnérabilité, avoir une somme de 9 000 à 10 000 dirhams pour se procurer un contrat de bail. Et non seulement ça, quand vous avez 15 jours de retard, vous êtes soumis à un PV que vous devez signer et être renvoyé au moins à plus de 6 mois avant de pouvoir renouveler votre carte de séjour. Vraiment, la situation des migrants pendant cet événement du COVID au niveau du Maroc est vraiment alarmante. La situation des migrants, les migrants aujourd'hui se retrouvent dans une situation qu'ils ne peuvent non plus vivre au Maroc, qu'ils ne peuvent non plus sortir du Maroc parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour et leur seul espoir sera de faire le maximum d'efforts, de se lancer dans la continuité de leur voyage en empruntant peut-être les voies illégales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans titre de séjour, vous ne pouvez même pas avoir une connexion. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, j'ai les difficultés de connexion. Pourquoi? Parce que j'ai renouvelé, ça fait 2 jours. J'ai changé de maison parce qu'il fallait que je trouve une maison avec contrat de bail. Je ne peux pas transférer mon Wi-Fi parce que je n'ai pas encore eu le récépissé. Ce qui fait qu'actuellement, c'est très, 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 très difficile. Très, très difficile pour les migrants, ne serait-ce que de pouvoir avoir une connexion ou bien de se connecter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de carte de séjour. Quand vous n'avez pas de carte de séjour, vous ne pouvez ni remplir des documents administratifs, vous ne pouvez ni recevoir une somme d'argent si on vous transfère de l'argent. Bref, la situation des migrants pendant le COVID demande vraiment l'assistance, le soutien de la société civile, ne serait-ce que de l'étranger et la société civile en général pour essayer de faire un plaidoyer pour cette histoire de cas de séjour. Sinon, nous allons nous retrouver encore à la case de départ. Nous allons redevenir un pays de transit et non un pays d'installation. Vraiment, je crois que tous mes confrères ont déjà tout dit par rapport à la situation des migrants.
Je dirais que malgré tout, au niveau du Maroc, nous, on a cru être à l'abri par rapport aux pays comme la Tunisie, par rapport aux pays comme la Libye, par rapport aux pays comme l'Algérie, mais nous sommes en train de voir que nous risquerons rétrogradés à ces mêmes pays. Alors, la régulation que nous avons demandée pendant les communiqués lors de la pandémie pour que les migrants puissent bénéficier le vaccin, malgré que le vaccin est déclaré être pour tous les migrants au niveau du Maroc, mais la fiche qu'on doit remplir pour bénéficier, ne serait-ce que ce vaccin, demande d'avoir une carte de séjour. Les migrants qui ne disposent pas d'un titre de séjour, quelle sera leur position? Nous sommes en train de travailler sur un mémorandum, je crois que c'est déjà sorti il y a quelques ans en ligne, avec d'autres organisations pour pouvoir essayer d'interpeller les militants, la société civile, tout le monde à s'immobiliser pour qu'au moins on essaie de trouver la situation pour des migrants, soit qui n'ont pas de cas de séjour, pour les migrants qui ont les cas de séjour inspirés, pour les migrants qui n'ont même pas de documents, afin qu'ils puissent bénéficier, si possible, de ce vaccin, afin d'être au moins à l'abri, bien avoir l'espoir de continuer à vivre. Vraiment, je dois m'arrêter là en vous disant que je vous remercie beaucoup parce que d'un moment à l'autre, la connexion peut s'arrêter. Je suis en train de vivre avec une connexion rechargeable. Pourtant, j'ai un Wi-Fi, mais je ne peux pas récupérer mon Wi-Fi parce que je dois attendre 15 jours pour avoir le récépissé. Et c'est le même cas pour tous les migrants et c'est vraiment difficile pour nous. Je vous remercie bien et je suis prêt à répondre aux questions. Merci bien. Merci Serge. Une simple question. Est-ce que les migrants ont bénéficié des aides financières lors du confinement? Ce qui est sûr, moi en tant que leader associatif présent du Conseil des migrants subsahariens, malgré que nous avons essayé de partager des communiqués, nous avons essayé de partager des informations avec des organisations internationales, mais l'organisation du partage ou bien l'organisation pour pouvoir bénéficier des kits alimentaires ou bien bénéficier des aides de loyer n'ont pas été, en tout cas les associations des migrants, les leaders n'ont pas été impliqués pour avoir une bonne coordination. Ce qui fait que pendant ce mouvement, pendant cette période de Covid, il y a des personnes qui ont bénéficié plus, il y a des personnes qui n'ont pas bénéficié. Mais il y a quand même eu plusieurs opérations de partage, des kits, d'aide humanitaire par rapport aux migrants, mais l'organisation a été faite vraiment d'une manière qui n'a pas été vraiment satisfaite. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous avons vraiment des cas de grande vulnérabilité dans des villes, par exemple, dans des localités comme Tamesna, dans les localités comme Salé-Doha. Et c'est vraiment lamentable. Pourquoi? Parce que nous n'avons que les yeux pour pleurer quand nous voyons la situation des migrants qui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir payer le loyer, qui ont le retard de loyer, qui ne peuvent même pas se prendre en charge ou payer une ordonnance ou bien qui ne peuvent pas se nourrir. Donc actuellement, au niveau du Maroc, plus précisément, c'est devenu vraiment très difficile. Même ceux qui ont été aidés, pour le moment, sont en manque et sont dans le besoin. Et sauf certaines organisations qui essaient de pouvoir partager les repas chauds, mais toujours, c'est pour les migrants, par exemple, de Casablanca qui ont été délogés, mais les migrants, en général, restent dans l'inquiétude, ils restent dans leur état de grande vulnérabilité, vraiment, c'est vraiment difficile pour la situation des migrants. Merci. Merci Serge. Dans tous les cas, nous allons continuer à ce que les migrants bénéficient de l'ordre loi, que ce soit au Maroc ou au pays du Maghreb ou en Europe. Donc, tant que vous êtes au Maroc, nous allons continuer notre combat ensemble pour que vous puissiez avoir vos droits fondamentaux et bien sûr et la lutte contre toutes les politiques et les lois qui sont contraires aux droits humains. Dernièrement, le mois d'octobre 2020, une enquête qui a été sortie du Haut Commissariat au Plan sur la situation, bien sûr, l'impact de la COVID sur les réfugiés. Donc, il parle de réfugiés. C'est une enquête qui a, donc, parmi les résultats, c'est que les réfugiés, ils ont respecté toutes les mesures de confinement.
Mais dans le cas de l'aide de la part de l'État, il a été faible. La plupart des aides que les réfugiés ont reçues, ce sont des aides des associations, de la société civile, ou bien du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc, c'est ça. Donc, qui peut prendre la parole? Nous avons encore 23 minutes. Aziz. J'ai levé la main, moi aussi. Oui, je vais en direction de Aziz parce que tu as pris la parole plusieurs fois, donc je laisse la parole et je reviens vers toi. Aziz ou Abdallah? Ou Sidi? Ou Sidi? Sidi? Sidi Katoua? Oui, c'est bon. Donc, je laisse la parole aux personnes qui l'ont demandé avant. Je suis venu après, donc il n'y a pas de souci. Je laisse la parole à Suède et je reprendrai la parole après. Vite fait, peut-être la question que je pose moi, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, en fait, encore une fois, je prends un exemple de la Libye, où elle est devenue le carrefour réellement de l'immigration vers l'Europe, en fait. Parce que quand je vois ce que j'ai, en fait, dans le dossier devant moi, il y a des mafias qui sont très, très bien organisées. Il y a une sorte d'organisation internationale qui n'a jamais existé entre des êtres humains, que des malfaiteurs comme eux, qu'ils peuvent fournir des visas et des passeports, même des migrants de Bangladesh ou de l'Inde, etc., et des vols qui arrivent jusqu'à Tripoli, ou la Libye en fait, et des vols aussi ou d'organiser des traversées des déserts ou des mers, etc. Un migrant, soit pour des raisons économiques ou sociales, socio-économiques ou politiques, quand il arrive en Libye, il croyait que dans 2-3 jours, il va prendre la mer vers l'Europe. Or, c'est là le problème, qu'elle se trouve vendue. En fait, quand je dis vendre une personne, c'est dans le vrai sens.